Voilà, ça, ça fait du bien, ça. Oh, ouais. Oh, parfait. Hop là. Tout a été ouvert, les gars. Ah, je connais pas. Alors, on va faire une interaction rapée. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, je vois que vous êtes installé ici. Oui, oui, je me suis installé là. Vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Vous m'entendez où? Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Ah, ok, ok. Vous appelez comment? Terry. D'accord, enchanté. Ben moi, c'est Guillaume. D'accord, enchanté, de même. Dites-moi, vous faites partie des membres des d'un cartel ici ou pas? Non, non, du tout. Du tout, du tout. D'accord, parce que j'ai eu un panneau avec écrit GPS, un truc comme ça, je sais pas si vous connaissez. GSP, ouais, c'est groupe sécurité. Oui, oui, je connais, je connais. Vous savez pas où il se trouve? Non, du tout, parce que j'ai reçu un panneau, et puis ouais, c'est vrai que je ne sais pas où il se trouve. Alors, que je vous explique. Vous voyez où il est le scum abri... le scum là, le magasin de market? Scum market, oui. Ouais. L'assurance, vous voyez où c'est? Oui. Si vous regardez en C3, en fait, il y a deux endroits où il y a des bases. Ah, exactement, oui. Et c'est autour du lac, en fait. Ah, donc c'est eux qui sont là-bas. Voilà, c'est la grosse, grosse base qu'il y a là-bas. D'accord, parce que vous, ils sont passés vous voir? Non. Pourquoi ils sont passés? Ah non, parce que vous, voir. Ouais, ils sont passés me voir, mais c'est parce que je pense que je suis sur leur territoire, en fait. D'accord. Alors bah moi j'ai commencé à m'installer là-haut et puis finalement j'ai décidé de partir. Parce que ils réclament des taxes. Ouais. En plus de ça, si on fait un commerce, ils prennent une taxe par rapport à comment le commerce combien vous gagnez quoi. Donc ah. Vu que je suis dans l'objectif d'ouvrir un commerce, je sais pas encore trop quoi, peut-être les fusils d'assaut. Oh, intéressant à voir ça. Dans l'avenir. Ouais, n'hésitez pas à me le dire. Ouais. Ouais, bah après, ça sera. Vous verrez ça sur la place publique, de toute façon. Exactement. Si ça se fait. Mais ouais, j'avais pas envie de me faire taxer par rapport à mon chiffre d'affaires, quoi. Ah, c'est intéressant de savoir, effectivement. Donc, s'ils m'ont mis un petit panneau, à mon avis, c'est que. Ouais. Ah, oui. Ouais. Bon après ils sont pas méchants. D'après ce qu'on m'a dit, ils réclament pas grand chose comme taxe. Hein. C'est juste l'histoire de dire. Ouais, mais bon. Ouais, ils taxent ici, quand même, ici ils réclament rien au moins. Le scum et market ils réclament rien. Donc j'ai dit je m'installe ici quoi. D'accord. Pour titre d'information, faites très attention vers ici quand même. Ah ouais. Oui parce que je suis déjà allé plein de fois vers le scum market et on va dire qu'il y a eu avant la grosse tempête quelques actions vers ici. Ah ouais. Les sans visage, ouais. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais, si j'en ai déjà entendu parler, mais bon, on les voit plus, je crois. Ouais, mais on va dire que la dernière fois, je suis passé à 5 minutes de la mort, quoi. Ah ouais. Ah oui. Il y a un collègue qui était là-bas, il s'est fait tirer dessus, donc oui. Ouais, c'était pas pendant la manifestation pour les vents. Les commerçants chinois là. Mais non, je pense qu'il y en a eu une aussi après justement la grosse tempête, parce que moi c'était avant la grosse tempête, donc c'était il y a un petit moment quand même. Ah mais oui, oui, oui. Après, la oui, tempête, effectivement, ouais, j'ai là, un. Ouais.
Oui, j'ai entendu l'histoire de la manif que ça s'est mal passé, je crois. C'est ça, c'est ça. Il y a eu des lancers de grenades. Tout ça. Ah oui, C'est mais un parti un peu en conseil, cacahuète la d'après ce que j'ai manif. compris. Ouais, mais la manif, faut pas y aller, un conseil. Hein. Bah, j'ai bien fait de pas y aller. Je voulais y aller, puis quand on m'a dit ça, le lendemain, je dis putain, j'ai bien fait de pas venir. Ah oui, mais non, non, il faut pas y aller. Ah, mais du coup, c'est vous alors qu'on a croisé plein de fois vers ici. D'accord, ok. Sûrement, oui, sûrement, Parce que vous sûrement. êtes tout seul, c'est Voilà, ça, ces non? derniers jours, j'étais pas. Ouais, c'est ça, je suis tout seul. Oula. D'accord, ok. Je suis tout seul, bah de base je devais voilà j'ai oh, il y a là du monde. J'ai construit de base parce que tous les gens ils s'arrêtent. Ah mais si, vous êtes sur la bonne route, hein. Ouais, mais de base ouais j'ai construit pour pouvoir ouvrir un commerce. Donc c'est pour Ouais. ça que j'ai fait un truc quand même assez grand. Et puis finalement je vais reprendre la cabane de chasse de base. Et Ah. finalement ça a été donné aux 79 Dreamers. Ah, c'est 79 Dreamers, d'accord, ok. Ben, merci pour l'information, du coup. Ah oui, parce Pas de rien, qu'effectivement, non, non, j'ai... j'ai l'impression, ouais. Bah, j'ai déjà tué un ours, il y en a un qui est mort là-bas. Ah, mais il y a pas mal d'ours J'en ici, ai plein la effectivement. voiture, mais ouais. Et les loups aussi. Bon, les loups, ils sont pas bien méchants. Non, ça va, mais c'est vrai que les ours, c'est intéressant Mais. pour les revendre, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, Ouais. du coup, bah, si vous en voulez un, il y en a un là-bas vers les arbres. Hein. Je vous le donne. Ah, Mais j'ai bon, ce qu'il faut, quoi. Mais c'est gentil quand même, merci. la cabane de chasse, ils ouvrent pas ces derniers jours là, c'est compliqué quoi. La cabane de chasse, elle se trouve où maintenant? Sur la route des 79 Dreamers, vous continuez la route là tout droit Oui. et vous prenez à gauche. D'accord. Bah, la base avant les anciens deux roues. Je sais pas si vous Ah saviez où oui, c'était les deux roues avant. oui. D'accord, intéressant, d'accord, merci beaucoup. Ouais. Bah c'est en B3, hein. Là la cabane de chasse, elle est en B3. Exactement. Vous prenez, voilà, vous prenez la prochaine à gauche et après bah sur la gauche il va y avoir un panneau cabane de chasse de toute façon. D'accord, ouais, c'est l'ancien monde et ouais, d'accord, je vois. Bah, merci Juste beaucoup. avant la base des 79. Bon, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Bah écoutez, bah, je Ça vous fait du souhaite. bien de discuter un peu parce que des fois Ouais. on croise des gens, on leur parle, ils répondent pas. Ah, ouais, c'est un peu compliqué, j'ai eu ça aussi. Ouais. Après, j'essaye d'esquiver un peu quand même les gens, des fois quand ils sont plusieurs groupés, parce que j'ai pas envie de me Ouais. faire braquer. Je me suis fait braquer 1 heure après d'être arrivé ici. On m'a retiré l'arbalète qu'on m'avait Ah donnée bon? au scum. On voulait me piquer ma voiture. Et vous savez un peu comment ils étaient habillés? Bon, ils étaient habillés type militaire un peu. Il y en avait un militaire noir et blanc. Il y en avait un, il était habillé en noir. L'autre, il était un peu en vert. Et c'était dans quel Pas de secteur à peu tenue près? spécialement. Juste après le scum market, là. Ah, c'est ce que je vous ai dit, Vers la faites très Sciorance, vers attention. le Hein. lac. Ouais. Alors du coup j'évite de me promener avec mes armes. J'ai plein d'armes, mais bon, j'évite de me promener avec. Ouais, mais prenez quand même une bonne J'ai un arme si ça se passe mal. Hein. M82. Ouais, mais après de toute façon je suis tout seul donc je peux rien faire. Hein. Même s'ils sont 2-3, je coopère, Ah donc oui, non, mais là, si il je vaut mieux coopère coopérer. Hein. logiquement, il n'y a pas de souci, quoi. Ah oui, mais vous Tant partez que je vivant. coopère, logiquement, il n'y a pas de souci. Hein. Après, ils me prennent mon arme, ils me prennent mon arme, mais bon. Hein. Après, c'est comme ça. Hein. Bon, bah, c'est bien. Bon, en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Bah merci à vous aussi, bon courage. Du coup vous habitez Et... vous en C3? Et bah essayez d'aller les Ouais. rencontrer hein, du coup hein, parce que Ah, mais le problème, la taxe, là, ça me plaît moyennement, quoi. vous étiez là avant Ah que. ouais? Bon logiquement il devrait pas y avoir de soucis. Mais les assurances ils sont pas fait taxer donc vous leur dites que D'accord. vous étiez là déjà bien avant qu'ils s'installent donc Ouais, du coup, bon maintenant, je sais où après ils sont, c'est donc... une taxe de 1000 ou 2000 $ par mois, ça va, c'est Honnêtement, pas. si c'est ça, ça va. Bah après, si vous réclamez déjà là, s'il commence à dire 10 000 par mois, déjà, ça casse un peu les couilles. Surtout qu'on était là avant, donc... Bah ouais, c'est ça. J'en ai un peu marre de C'est ça, c'est ça. partir. Je sais pas que j'ai les 100 visages au cul et les Dalton, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, moi, je les ai jamais croisés encore, les 100 visages. Bon, bah tant mieux, parce qu'en général, Dommage quand que tu les ça. croises, c'est pas bon. Ouais, puis eux, ils te dépouillent. Bah, on va dire que j'ai connu quelqu'un au tout début, c'était la première personne que j'avais rencontrée. C'était le. Je crois que c'était le cousin. Ouais, le cousin à Shang-Chi. Je sais pas si vous connaissez les deux roues. Non,
du tout. Non, vous connaissez pas, bah, c'était son cousin, et bah, c'était le premier que j'avais rencontré, son cousin, et puis bah, il a été trouvé par les sans-visage, et puis voilà, voilà. Ah ouais. Ah, il est mort. Ouais, c'est compliqué. Au lieu de s'entraider, tout ça, main dans la main, tout, non, les gens, ils se... Ah, On est déjà plus beaucoup dans le pays, alors... Ah ouais, non, mais c'est pour ça qu'il faut Si faire on très commence attention. à s'entretuer. Après, ceux qui sont vachement sympas, c'est de la gitanerie, quoi. Ah, franchement, ouais, je suis resté Ah, vous bah, avez vu. 2 semaines là-haut au lieu d'une semaine. Elle m'a rien demandé en plus, Maya. Franchement, top. Ah, ils sont Il me super sympas, payait une hein. bière de temps en temps quand j'étais là le soir. C'est franchement. Ah, comme ils disent, là, les cousins, Je crois hein. que sans eux, ouais, je crois que sans eux, je pense que j'aurais quitté le pays parce que mauvaise impression quand je suis arrivé. Hein. Mais Je ils me suis fait motivent. braquer 2 fois. Ouais. Et ils m'ont bien aidé. Ouais, c'est pour ça qu'ils motivent vachement et tout. Bah, c'est pour ça, n'hésitez pas. Moi, c'est Guillaume Gringo. Donc, si vous avez quoi que ce soit, si je suis là, vous contactez. Il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, moi, je me trouve vers Ok. C3. On va dire que je suis entre les deux routes. Je sais pas si vous voyez, il y en a une qui part sur la C4, la ligne rouge jaune, en haut. Ouais. Et une autre qui part dans la grande ville. Ah oui. Et je me trouve entre les deux. D'accord. Oh, c'est bien là. Ouais. Vous êtes On était bien, pas ouais. assuré, non? Non. Vous êtes assuré tout, non? Oh, Non. faites attention. Ah, c'est pour ça. Moi, j'ai économisé justement pour prendre l'assurance, j'ai assuré tout, comme ça personne ne peut rentrer. Moi. Ça coûte Je suis combien à peu près sécurisé. pour un bâtiment de cette de grandeur? Là, je paye 32 000 par mois. Oh, ça va. D'accord. Bah là, la première fois que tu payes, t'es obligé de payer la base, donc 30 000 plus 32 000. J'ai payé soit 30 000 plus 32 000, j'ai payé la première fois. Ah Mais oui, maintenant, tous exact. les mois, c'est 32 000. Et encore, hein, je peux agrandir encore de 3 panneaux par 3 panneaux, quoi. Ah oui, J'ai quand pas même. encore toute la totalité. Après, D'accord. si vous faites un peu plus petit, vous pouvez payer moins par mois, quoi. Ouais, c'est largement plus petit, donc d'accord, ok. Après, si c'est plus petit, ils réduisent l'assurance. Mais c'est aussi bien d'être assuré parce que Oui. vous avez beau partir, vous coucher à 2h, 3h du matin, à 4h30, ils vont venir et ils vont vous casser la baraque. Hein. Ouais. Le monsieur des deux roues, il a arrêté l'assurance une journée ou 2 jours. Il est revenu le lendemain, il n'avait plus rien. Il s'est tout fait dépouiller. Ah. Hein. Ils n'auront rien laissé. Hein. Donc. Parce qu'avant, effectivement, on faisait partie des deux roues, nous, avec mon cher ami Nicolas. D'accord, ah oui. Ah ben vous voyez, par exemple, là, je vois dans le général, les Vikings, ouais, c'est bien. Ouais. Monsieur Patron, ouais, je l'avais contacté l'autre fois par Monsieur Patron, c'est le monsieur des GSP, là. Donc D'accord. je pense qu'ils sont disponibles. Hein. Bon, ben je vais aller les voir alors. Bah, je pense que vous leur mettez un. Je sais pas s'ils sont chez eux, mais bon, vous leur mettez un message sur la radio encryptée. Ou... Ouais, pareil. Mince, je me suis trompé. Bon, ben je vais vous laisser, je vais essayer de les voir. En espérant que je sois en vie Y a pas après. de souci, bah, bon courage à vous, au plaisir. Merci à vous aussi, au On se revoir. reverra sûrement. Allez, ciao!
Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, c'est vous qui m'avez envoyé le message? Oui, exactement. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes situé, enfin votre base est en C3, ce que j'ai vu. Exactement. Je vous avais mis un message pour vous dire de nous contacter. Oui. Parce que, au cas où vous ne seriez pas au courant, à partir du moment où on s'installe en C3, il faut nous prévenir. Parce que quand on voit des bases que on ne connaît pas, c'est pas ouf quoi. Donc D'accord. ça aurait été sympa de nous le dire que vous Ben. construisiez votre base. Il n'y a pas de souci hein, que vous en construisiez une. Là-dessus, Oui. on est très laxiste. Mais c'est juste qu'on nous prévienne, quoi, parce que on peut avoir des gens mal intentionnés Ah, hein, je parce qu'on sait comprends, jamais mais on quelqu'un. vous a jamais croisé, au fait. Vous êtes depuis là, depuis combien de temps? Oh, on est là depuis un bon moment, hein. Vous êtes où à peu près? Vous voyez la station service, là où je regarde, tout droit. La grande Le plaine à lac là-bas? côté de chez Kring... Ouais, à côté de chez Gringo. Ah, mais c'est vous qui êtes en construction? En construction, Ça fait non, un petit mais moment, hein. on a c'est le plus grand la plus grande sur le bord du lac. D'accord, parce qu'on était passé, mais c'était en construction, en fait. Largement, en fait, c'était après la À ce tempête. moment-là. Ah oui, après la tempête, on est en construction. Ah, c'est pour ça qu'on ne s'est jamais croisé alors. D'accord, ok. C'est ça, parce qu'avant la tempête, on était situé à un autre endroit, mais voilà. Et dites-moi, c'est l'un des membres de votre groupe qui est passé ce matin, par exemple? Oui, pour mettre la pancarte. Mais il y en a un autre qui passe après. Ah non, c'est ça non, puisque mes collègues D'accord. Ouais, sont je à vois la le base. truc. Voilà, je Non, suis mais ça a passé juste mal ce entendu, matin je pour mettre pense. la pancarte. Ouais, non, mais alors il y a eu un malentendu alors. Parce que bon, j'avais une GoPro allumée et Ah puis oui, pardon. bizarrement, quand j'ai parlé de ça, il y a quelqu'un qui est venu. Non, mais je vois que ouais. Non, ça a rien à voir avec vous alors. Ok, merci pour l'information du coup. D'accord, Et pas de du coup, alors soucis. comment ça se passe si on est sur votre territoire? Si on est sur votre territoire, enfin, oula, si on, vous êtes sur mon territoire, pardon. Oui, c'est pas grave, vous inquiétez Il pas. faut tout simplement, nous envoyer un message. Et est-ce que D'accord. vous faites un commerce ou simplement... Non, on fait rien du tout pour l'instant. Je vous avoue qu'on est venu à maintes reprises s'installer à des endroits divers. Et bon, comme je vous ai dit, j'ai une GoPro des fois sur la tête. Et comment vous dire? Il y en a qui ont payé, ils ont des PC de la NASA, quoi. D'accord. Écoutez, puisque vous n'avez pas de commerce, vous avez une... Alors, vous inquiétez pas, on va pas vous prendre tout votre argent, mais Non, il on n'y a pas de demande souci. une toute petite taxe, hein, Et c'est toute de petite, parce combien? qu'on prend plus. Alors, pour le moment, on n'a pas encore fixé de prix, parce que toutes les personnes qui étaient là avant la tempête, donc on leur a pas forcément à prendre. D'accord. À prendre des taxes. Mais écoutez, moi, je vous recontacte d'ici. Un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout. Vous les connaissez pas? Bonjour. Bonjour. Ils sont beaux les quads. Beau mon code. Comment? Salut. Salut les mecs. Salut. Ça va ou quoi? C'est la petite Ça va et vous? casquette là. On la reconnaît derrière son masque. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? C'est Axel et Alex? C'est Non. juste Axel là. Ah, et à côté c'est qui? Guillaume. Ah ok, enchanté. Ah mais on Enchanté s'entend bien, aussi. ok. Enchantier. Vous êtes? Enchantier, je m'appelle Teuse. On est les braises. On est les Ah oui, braises. ok. C'est Strouby J'avais là. pas capté. Ah, je Ok. connais pas les braises. Ah ouais. Pour qu'on t'appelle la petite Élise, tu sais, c'est qu'il y a du dossier derrière, quoi. Ouais, non, mais c'est pour ça que moi j'ai paniqué. En même temps, quand on voit quatre hommes arriver comme ça. Ouf. Ouais, on était en balade. On était se faire une petite balade avec ce beau soleil là. Ah, je vois ça. Ils sont beaux ou quoi, quand même? Surtout celui-là.
Vous les avez achetés où? Je vois que ça fume un peu, effectivement, ouais. Bon, ça y est, vous êtes bien installé, les tacs, là? Ça va. Oui, bah ouais, au top. T'inquiète. Alors, attends juste deux secondes. Oui, du coup, monsieur, je vous recontacte d'ici une heure. Ouais, y'a pas de soucis. Pour ce dont on parlait, sûr. Et je vous contacterai. D'accord. D'accord, si, si vous voyez que je suis... Ouais, si je suis pas là, n'hésitez pas à mettre un petit panneau ou vous m'envoyez un petit message radio privé, si vous voulez. Y'a pas de soucis. Ça va, pas de soucis. Pas de soucis. Ouais, maintenant qu'on se connaît, d'accord. Bon, au moins, c'est rassurant que, que c'était pas va. Vous après le panneau, quoi. Parce que bon, c'était un peu bizarre, quoi. Ah oui, non, c'était pas nous après le panneau. D'accord, bah en tout cas, voilà, nous on est les Vikings, donc moi je m'appelle Guillaume et mon ami c'est Nicolas. D'accord. Bien, super. Bah, je vous contacterai d'ici une heure pour pas de soucis, ça marche. On parler, et puis voilà. Ok, allez, bah salut. Ça avec plaisir. Et salut à vous. Salut. Bonne soirée. Au revoir. Des bonnes soirées, monsieur. Ouais, bonne soirée. C'était une bonne rencontre. Et re les amis, excusez-moi, donc il y a une sorte de tempête, comme vous le savez tous très bien. Bien évidemment, je suis passé à une heure précise, là où il y a du monde. Je pense que vous l'avez forcément vu auparavant, donc j'ai rencontré déjà le survivant qui était en train de construire sa base, donc force à lui, qui m'avait donc donné quelques informations sur les membres du cartel qui sont donc venus sur le territoire de là où on était auparavant nous, parce que eux ils sont installés après nous. Bon, il n'y a pas de souci, ça fait partie du jeu Map of Lucette, comme on dit, ils sont venus après, ben, ils ont acheté le territoire, donc ça fait partie des règles du serveur, donc les amis, il n'y a pas de souci par rapport à tout ça. Et je pense que vous l'avez remarqué quand j'ai parlé avec elle, le fameux membre du cartel, eh bien, j'ai quand même précisé si c'était eux qui étaient passés après le panneau. Donc elle m'a bien informé qu'ils étaient passés avant, qu'ils avaient posé le panneau, et ensuite ils n'étaient pas revenus après. Donc j'imagine que c'est un petit coquin qui est passé durant le stream, mais vous voyez ce genre de truc les amis, ne faites pas... Ce genre de choses, ça peut donner un côté un peu HRP parce que après nous, on se méfie en tant que streamer et youtubeur et je trouve ça vraiment con. Donc ne faites pas ça les amis, c'est pas parce qu'on est en live que vous devez passer devant notre base. Faites pas ça parce que là, vous voyez, ça aurait pu faire une histoire entre le cartel et moi. Alors que le cartel, pour l'instant, j'ai confiance en leurs paroles. Peut-être qu'après plus tard, ils monteront une quenelle. Mais ce ne sont pas eux, donc voilà. Ça peut faire des histoires et je trouve ça complètement débile. Et puis, entre-temps, il y a eu un message scripté. Je pense que c'est par rapport à cette personne que j'ai rencontrée du cartel. Mais moi, les amis, vous savez, tout ça, je ne prends pas en compte. Moi, je fais connaissance des personnes. Juste auparavant, j'ai parlé avec le fameux survivant qu'on avait rencontré avec Nicolas, qui était en train de construire. Donc, force à lui, hein, s'il arrive à construire son business. Peut-être qu'on fera du business ensemble plus tard. Mais en tout cas, c'est cool parce qu'on a rencontré une personne qui m'a parlé donc du cartel. Qui est donc sur le territoire de là où on est maintenant, parce que ce n'est plus un territoire qu'on appartient, parce que pour l'instant c'est leur territoire, c'est eux qui ont payé, donc c'est leur territoire, ça fait partie du règlement du serveur, et ça les amis c'est plutôt cool. Du coup donc j'ai eu connaissance un petit peu de ce fameux cartel, j'ai eu quelques informations par rapport aux survivants, et après donc j'ai vu l'une des membres du cartel, et donc j'ai eu un peu plus de détails, donc elle a parlé d'un taxe, etc, etc, donc c'est bien ce que avec Nicolas on savait. Pour l'instant elle a demandé si on avait des informations, enfin si on avait des projets comme un commerce. Pour l'instant on ne sait pas trop, parce qu'on est en train de tâter le terrain, on essaye de voir s'il y a du commerce ou pas, et qu'est-ce qu'il y a pas, histoire de faire développer un peu le serveur, parce que on va essayer de faire des commerces nous bien évidemment, où le serveur n'a pas tellement pensé, histoire qu'on mette un petit peu notre main à la pâte, comme on dit, pour histoire de faire avancer le serveur et que ça soit des interactions plutôt cool entre joueurs. Comme vous avez pu constater auparavant, le survivant qu'on a croisé, lui s'est fait dépouiller malheureusement. C'est vrai que c'est pas de chance à lui, il a eu à peine son stuff qu'il s'est fait dépouiller. C'est le risque quand on est vers le scum market, c'est très souvent, c'est ce que j'ai constaté. Donc force à lui l'ami, si tu regardes cette vidéo, force à toi mon gars, j'espère qu'il va réussir. Donc c'est cool. Au moins comme quoi, vous savez ce que j'avais dit le matin même durant le stream, c'est ce que je parlais un petit peu du HRP.
Faites très attention les amis, ne venez pas quand je stream comme ça, parce que ça peut faire une scène qui n'est pas du tout celle qu'on pense. Et vous savez, quand on est streamer, parfois on se fait streamhack, je pense que vous l'avez tous vu. Et c'est vrai que des fois on doute. Et le problème c'est que là on aurait pu douter sur le cartel qui est en question sur le territoire actuel où on est. Et ça aurait pu faire une histoire, donc je trouve ça un petit peu con, donc voilà. Arrêtez de faire ça les amis, comme ça au moins on n'aura aucun problème par la suite. Allez, sur ce, on continue les amis, let's go. Je vais regarder un petit peu si j'ai reçu quelques messages. Non, il n'y a aucun message, ok. Donc le membre du cartel les amis, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc la femme, elle a demandé si on était bien donc les vikings, donc j'ai bien dit qu'on était les vikings. Et du coup donc cette personne... Donc on l'a rencontré et tout, donc c'est cool, au moins on a des infos, on sait qu'il y a des taxes, etc. Et on sait où il se trouve, donc effectivement c'est bien le groupe qu'on avait croisé il y a un petit moment de cela avec Nicolas, qui était donc en construction vers le lac. C'était l'un des gros trucs, donc c'est cool, au moins on a des informations. On sait que maintenant c'est eux qui ont le territoire, parce qu'on HRP on le savait, mais en RP parlant, comme je dis RP parlant parce qu'il y a le RP, chacun voit sa façon des choses différentes, mais RP parlant, la seule information pour avoir ça, ça serait de les rencontrer. Donc là, on s'est rencontrés, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on sait les informations et on sait ce qu'on court si on reste sur le territoire. Donc à nous de jouer le jeu, ma pauvre Lucette. Si on ne joue pas le jeu, forcément, il y aura des conséquences. Ça, vous le savez tous. Donc ça, c'est du RP parlant, les amis. Et après, le RP, c'est à vous de voir comment vous faites quand vous rencontrez ce genre de situation. Donc moi, personnellement, je vais pas dire durant cette vidéo ce que je vais faire, forcément. Sinon, ça serait complètement débile de ma part. Mais vous voyez, c'est ce que je disais ce matin durant le stream. Donc bien évidemment cette vidéo va venir après, mais il y a le RP parlant, le RP, la façon des joueurs qui voient la vision différente des choses. Mais moi je reste sur le RP parlant. Le RP parlant, c'est-à-dire que là en gros, c'est très simple. Soit je joue le jeu, je paye les taxes, soit je ne joue pas le jeu, je paye pas les taxes et je reste sur le territoire, il y a des conséquences derrière. Ou soit je me barre. Vous voyez, il y a plusieurs situations. Voilà. Donc sur ce les amis, on va continuer. Mais en tout cas les amis, s'il vous plaît, quand je suis en stream... Ne venez pas en venant sur mon stream pour avoir des informations et ne faites pas les scènes comme si c'est passé ce matin même. D'accord les amis, parce que là vous voyez ça aurait pu foutre la merde entre eux et moi. Alors que je pense que peut-être hein, ils ont rien à voir avec cette histoire. Donc voilà, c'est fort dommage. Allez c'est parti les amis, let's go. Par contre j'ai pas demandé si c'est eux qui ont crevé les pneus. Je vous avoue que ouais bon j'ai pas demandé. Ça aurait pu foutre la merde, oula. Ok c'est bon. Allez c'est parti. Eh les amis, juste pour vous dire, certains me posent des questions quand j'ai la GoPro en on et non en off, parce que là c'est off et quand c'est on c'est autre chose. Je pense que vous l'avez tous compris les amis. Il y en a qui me posent des questions souvent. Est-ce que je fais les interactions les plus attractives durant la caméra on? Bien sûr que non les amis. Je sais très bien qu'il peut se passer des choses durant la caméra on. Et pour que cela se passe bien, je préfère le faire en off, c'est-à-dire durant les moments où il y a le plus de monde. Et je pense que vous connaissez tous les heures précises. Je vous fais pas de dessin, ceux qui ne savent pas, tant pis pour eux. Mais bien évidemment, je suis là, les amis, ne vous inquiétez pas. Lorsque la caméra est en off, je suis présent, les gars, sur le serveur, comme vous l'avez pu constater là actuellement. Ceux qui m'ont rencontré, donc le cartel. Oui, je suis présent, les amis, ne vous inquiétez pas, je suis là. Durant les moments les plus intéressants, c'est juste que nous sommes un petit peu malins. Moi et Nicolas, on sait très bien qu'il peut se passer des choses durant le on. Et c'est pour ça qu'on fait extrêmement attention comme ça. Il n'y aura pas de problème durant les scènes les plus intéressantes. C'est vrai que j'aimerais vous proposer ces scènes intéressantes durant les lives. Je vais essayer de voir comment je peux mettre ça en place parce que c'est très, très, très... dur sur Scum, je me suis rendu compte le peu que j'étais déjà sur le serveur là, je me suis rendu compte de certaines choses durant les montages vidéo et d'ailleurs avec Nicolas ça nous a posé quelques problèmes pour le montage de nos vidéos voilà, je préfère vous le dire comme ça au moins vous êtes au courant. Sur ce les amis, on va tout simplement continuer, allez let's go. Alors nous avons, alors tchut, il y a jamais là le pharmacien, faut vraiment pas tomber malade, tchut. Ah ça c'est, ouais, ça c'est... Bah après y a des gens qu'on dévie, mais c'est sûr qu'il essaye tout seul le pharmacien, hein, le pauvre. Allez les amis, let's go. Panam 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 pan. Regardez comme quoi je vous montre que même les amis, quand la caméra est en off, regardez, je laisse même mon véhicule comme ça les gars, je vous jure que c'est vrai les gars. Il se passe ce qui se passera, hein. Je vais pas me planquer toute ma vie. Hein.
Oh, ici, y'a jamais rien en fait. J'ai juste regardé là quand même. Y'a rien. 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 Puis y'a rien quoi. En fait, ici les gars, ça. Dans ce truc là, en tout cas, y'a rien. Quand même, regardez dans les trucs comme ça, on sait jamais. Hein. Bah, du papier, super. T'as trouvé quoi? Eh, du papier, mec. Ah ouais, c'est génial. Ok, ça, c'est parfait, les gars. J'ai ramassé ça. Les gars, les filles, hein. Les hommes, les femmes. Je sais pas, je sais pas quel âge vous avez, ok. Attention, hein. What? Qui c'est qui s'est installé là? C'est quoi ce délire, les gars? Quelqu'un a planqué son véhicule. Chou là. Je suis en D4, les gars. C'est pas leur territoire. Je me casse. Oh shit, on se barre les gars. Là je suis tout seul les gars, je suis pas avec Nicolas là. Avec Nicolas je me serais aventuré les gars, j'aurais pas peur. Mais là je suis tout seul, je peux pas faire le... Vous voyez, s'il se passe quoi que ce soit... Par exemple je me retrouve face à deux personnes, je peux rien faire. Et ouais, tu peux pas faire le malin quand tu te retrouves face à deux personnes ou trois personnes, tu peux rien faire. Même déjà face à une personne, tout dépend de comment ça se passe. Si la personne a une arme et qu'elle te braque, tu vas pas faire le mariole. Tu vas pas t'amuser à sortir ton arme. T'auras pas le temps, mec, elle va te dégainer. Voilà, on va passer par là, on va rattraper. Ah ouais, y'a des mecs qui tirent à vue quand ils voient des véhicules passer, quoi. Ah ouais. Je crois que le monsieur il est énervé. Il a failli peut-être se faire écraser hein. T'imagines le prochain, ça se trouve c'est moi. Je passe à fond, il a tiens. Allez, on trace. Je vais me mettre à la troisième personne parce que j'ai peur de me prendre la flotte. Si Nicolas voit ça... Enfin, si Nicolas il regarde ça et qu'il se dit « Putain, Mifa, qu'est-ce que tu fais là ?» Même hors stream, les gars, il aurait peur. Même quand il est pas là avec moi. Par contre, j'ai des maux de tête, je vais rouler doucement. Vous voyez, les amis, comme quoi, il y en a qui me demandent « Ah ouais, Mifa, mais on te croise pas. » Bah si, je suis là, les gars, regardez. Je suis là, je suis présent. Je suis présent à des heures précis. C'est juste que les gars, il y a des moments, ouais, je suis pas là, ça peut arriver, mais ne vous inquiétez pas, je suis souvent sur le serveur. Hein. Eh, vous croyez réellement que je vais mettre un message « Salut les gars, je suis là. » Bien sûr que non, je vais pas faire ça. Je pense qu'à mon avis, il y a des gens qui sont peut-être passés par là, les gars. Ces hommes, ouvre-toi. Personne n'est passé par là. Qui c'est qui laisserait des boissons comme ça? Non mais sans déconner. Quelqu'un laisserait des boissons comme ça les gars? Ah peut-être hein. Peut-être qu'ils en ont rien à foutre des boissons. Ok c'est bon. Oh personne n'est passé.
Même 44$, les gars, je suis sûr que vous le prendrez. Vous le prenez, les gars, info sûre. Tournevis, je prends. Je pense à mon cher ami Nicolas qui est en train de dormir actuellement. Tandis que moi, je suis en train de continuer, les amis. Ouais. Ouais, il y en a qui dorment, vous savez. Non, je déconne. Il travaille. Il a travaillé, les gars, il se repose, c'est normal. Ok. Bon. Y'a rien. Je me casse, j'ai rempli ma voiture. C'est parfait, les gars. On se tire! On se tire! Plus rien de ma triste! Ta-da-da-da. J'ai loupé ma vocation, les gars. J'aurais dû être chanteur. Info sûre. Allez, c'est parti, mon Guigui. Bonjour! Bonjour, monsieur! Bonjour! Bonjour! Vous êtes qui? Excusez-moi, je suis perdu en fait. J'ai ma moto qui a rendu là, à quelques centaines de mètres, et je cherche la gitanerie. Vous savez où est-ce que c'est? Alors, la gitanerie, ça se trouve en C4. Il me semble. C4, d'accord. Ah ouais, je suis encore loin là. Oula. Oui, mais normalement, vous voyez là où je regarde? Vous allez tout droit, normalement, vous allez tomber sur eux. D'accord. Là, j'ai vu, vous êtes assez récent ici, je vous avais jamais vu auparavant, là. Je passe souvent à côté de cette rivière, pourtant. Ah bon? Ah non, ça fait un petit moment qu'on est là, on est venu après la tempête. Après la tempête, ça fait un moment que vous êtes là? Ouais, ça fait un petit moment. On va dire qu'on était plutôt discret. Bah du coup, je vous souhaite courage. Oui. Ouais, dans le coin dans le coin là, vous connaissez des coins sympathiques? Alors ici, faites attention, c'est un territoire d'un cartel ici. Ah bon? Oui, les GSP. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ah oui, ce sont des mercenaires, je crois, un truc comme ça. Ouais, bah au fait, au moment où nous on a construit, au fait, on était avant eux, mais quand on a vu la construction qui était du coup au niveau du lac. Eh bien, ça correspondait à eux, au fait. Et on a reçu un petit message sur un panneau. C'est pour ça que j'ai laissé un panneau, pour dire que là, j'allais partir faire dodo. Et du coup, bien, j'ai rencontré la personne et du coup, on s'est présenté. Donc voilà, quoi. D'accord. Donc, si vous installez ici, moi, ils m'ont parlé de taxes. Mais j'ai pas eu plus de détails, malheureusement. Ah, d'accord. Non, je compte pas m'installer dans le coin, là. Je compte aller un peu plus... dans le sud. Vers B3 à peu près? Je sais pas, peut-être. Ça, ouais, parce que j'ai rencontré un véhicule croisé jusqu'à ce que je trouve un endroit sympa. D'accord, parce que j'ai rencontré un survivant qui était... Vous voyez le Scam Market? Oui, je crois que c'est en B3, ouais. Exactement, bah, vers le sud du Scum Market, j'ai rencontré un survivant qui était en train de s'installer. Il m'a dit que ça se passait plutôt bien vers là-bas, donc voilà quoi. Ouais, je suis passé un peu partout. Je suis allé voir des mecs qui s'appelaient Carcasse là. Ah B2. Oui, exactement, à l'aéroport, non? J'ai vu des sortes d'Espagnols en C1 et un magasin qui vend des motos, je crois. Les deux roues? En C1 aussi. Je sais pas s'il s'appelait les deux roues. Ouais, peut-être que c'est pas les deux roues, peut-être que c'est un concurrent. Ils m'ont dit qu'il s'appelait Outlaw quelque chose ou un truc comme ça, et ils vendent des quads et des motos. Ah, des quads et des motos, d'accord, ok, bah ça se trouve c'est pas les deux roues alors. Ah, peut-être que si, je ne sais pas. Pourquoi? Avant c'était les deux roues avant? Ils sont où les... Bah, au fait, les deux roues à un moment donné ils étaient en B2. Une voiture, bah ça se trouve c'est pour moi. Ça se trouve c'est le cartel qui arrive, hein. Je préfère vous le dire. Ah bon, un cartel? Vous attendez la visite d'un cartel? Bah comme je vous ai dit, je suis sur leur territoire, ils ont acheté, donc voilà. Il va y avoir des taxes, je pense. Ouais, ils vont venir vous taxer, d'accord. Ouais. Bon. D'ailleurs je vois une voiture, je crois, qui est passée devant, donc si vous avez un petit peu peur, je vous conseille peut-être de partir. J'ai peur de personne, moi. Ah d'accord, bon, c'est bien alors.
Non, mais après, ouais, il y a des endroits qui sont sympatoches, en B2 notamment, dans le sud. Pas trop vers le scum market, il peut avoir des choses, hein. Faites très attention. D'accord. Bon. Et du coup, vous avez une idée d'un commerce que vous voulez faire ou pas? Un commerce? Non, je pense pas faire un commerce, je Non. pensais juste faire ma cabane là avec mon collègue, rester tranquille. Et vous, du coup, vous habitez tout seul ici, là? Vous allez vous faire taxer tout seul Non, je suis pas dans tout ce coin-là? seul. Oh. Non, non, mais D'accord, je... là, je me disais... Non, non. Bah, elle m'a parlé c'était une femme, elle m'a parlé d'une taxe qu'on va sûrement payer, mais vu que j'ai pas de commerce pour l'instant, elle va pas me faire payer des taxes sur le commerce, parce que sinon, ça, elle fait payer aussi pour le commerce. D'accord. Bon, bah moi j'avais acheté une moto, là, il va falloir que je la remplace, parce qu'elle a rendu l'âme, malheureusement. Ah merde. Vous l'avez fait Parce tomber que dans je suis... dans l'eau? Ou Non, 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 elle était pas en très bon état de base et Ah mince. je me suis pris un arbre, elle a pris Aïe. feu. Ah ouais. Bon, au moins vous êtes vivant, c'est le principal. Donc je vais peut-être aller voir, vous avez dit donc les deux roues ou cette boutique là en B2, j'espère Moi, qu'ils ce que je vont vous me vendre conseille, quelque chose. ouais, mais ce que je vous conseille vraiment, c'est peut-être partir à la gitanerie, ils sont vraiment sympas. Hein. Oui, bah c'est ce que je comptais. Je comptais aller voir. On m'avait recommandé la gitanerie. Je vais aller voir. Oui. Des recommandations aussi sur des magasins à éviter, des fréquentations à éviter ou autre. Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec les magasins. Bon, le scam market, il faut faire vraiment attention. Parce que parfois, il peut arriver que bah, ça tire vers là-bas. Hein. Avant la grosse tempête, je sais que je suis passé à 5 minutes près de me faire tirer dessus. Mais sinon, non, non, honnêtement, ça va. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Après, je vous recommande vraiment la gitanerie, ils sont très sympas, un accueil chaleureux. Et D'accord, il y bah avait je vais bien les. faire ça. Ouais, après, il y avait les garagistes, les Vroom, je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, jamais entendu parler. D'accord, mais malheureusement, ils vont prendre la retraite, donc c'est ceux qui vendent les voitures. Mais malheureusement, ils prennent leur retraite, donc je sais pas comment ça va se passer, donc voilà. Mais eux, pareil, sympatoche, vraiment sympa. D'accord, très bien. Bon, bah je vais vous laisser alors, hein. Pas de À soucis. une prochaine. Bah, une prochaine fois. Au revoir. C'est celui que j'avais entendu, les gars. Attendez, je vais pisser et je vais regarder s'il n'y a pas un message radio en attendant. Eh bien, re les amis! Excusez-moi, on arrive vers la fin de la vidéo, les amis, au moment même où j'étais en train de faire la fin de la vidéo, un survivant est arrivé, du coup j'ai fait une rencontre d'un survivant, etc. J'ai donné quelques informations et tout, comme vous avez pu constater. Mais du coup, les amis, ouais, comme j'ai dit, du coup, malheureusement, je vais devoir y aller. Je n'ai pas eu des nouvelles du cartel qui tient le territoire actuellement où je suis installé avec notre cher ami Nicolas. Donc du coup, les amis, il y en a qui vont me dire... Comment tu vas faire, etc. Il y en a beaucoup qui me posent cette question, comment tu fais, etc. Donc je vais vous montrer un exemple typique de ce que je fais en général. Là, à l'heure actuelle, les amis, je vais pas envoyer un message radio, je sais que tout le monde pense à ça, le message radio général. J'ai envie de vous dire que non, on est sur un jeu de survie, les amis, je suis recherché par certaines personnes, on va dire ça entre guillemets. Et du coup, les amis, forcément, je vais pas laisser un message radio général, sinon je vais donner ma position, peut-être que je vais donner quelques informations de là où je me trouve. Et je n'ai pas envie, les amis, pour l'instant, il y a que... Bah du coup cette personne-là qui sait déjà que je suis là, mais encore j'ai dit que je m'appelais Guillaume, je crois que j'ai pas donné plus d'informations. Il a demandé si j'étais avec une autre personne, j'ai dit que oui, j'étais avec d'autres personnes, j'ai dit même des personnes. Bien évidemment, c'est pour foutre le doute dans la tête des personnes. Je vous rappelle que mon personnage est parano, les amis, donc je joue le jeu le plus sérieusement possible, mais je suis resté courtois avec lui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et du coup, les amis, donc je vais devoir y aller, et comment on fait pour laisser un petit message, comme je vous ai dit, je vais pas laisser un message radio général. Je suis recherché par certaines personnes. J'ai pas envie de me faire avoir, forcément. Alors, il y a que cette personne que j'ai rencontrée qui sait que je suis là, et il y a également le cartel maintenant qui sont au courant que je suis là avec Nicolas. Comme ça, au moins, si Nicolas se trouve dans le secteur, ils savent que Nicolas est avec moi. Et peut-être qu'il aura moins de risques, déjà, premièrement. C'est vrai que j'ai donné une information, ça peut le mettre dans la merde aussi.
J'espère que Nicolas, tu m'en veux pas, ok. Mais du coup, les amis, vu que je ne veux pas laisser de message général, vous allez me dire, ouais, mais il y a un message crypté. Alors oui, j'aurais pu laisser un message crypté si j'aurais pu parler plus en détail avec la personne. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Comme vous avez constaté, il y a un groupe de quad qui est arrivé. Donc, j'ai pas trop osé parler parce que je suis très parano. Ça fait partie de mon personnage. Et je suis méfiant par rapport à ce qui s'est passé durant mes streams. Donc forcément, je fais très attention. Parce que là, je ne suis pas en stream, mais je suis en off. Comme j'ai dit, caméra on, c'est stream. Caméra off, c'est lorsque je ne suis pas en stream. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Bien, je laisse pas de messages cryptés. Parce que vous savez tous très bien qu'il y en a qui font pas très attention aux messages cryptés. Ils voient notre nom, notre prénom. On donne des informations et ils font pas abstraction de tout ça. Et malheureusement, ils prennent ça en compte. Et ça peut également mettre fin à mon personnage, donc je suis très 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 méfiant. Donc du coup, vu que j'ai pas trop parlé avec la personne, on s'est pas donné, parce que vous savez, il y a quand même une astuce, c'est de laisser un petit message codé, c'est à dire que vous donnez un petit message codé, par exemple l'oiseau est là ou autre, et la personne sait que vous êtes là sur votre base parce que vous avez parlé auparavant avec elle. Donc en fait, c'est un message codé, vraiment bien codé, et c'est ce qu'on fait en général sur des grands serveurs. Donc voilà, peut-être que c'est une petite solution que je peux vous donner, faites-le, hein, comme ça au moins vous êtes au courant. Mais également, vous pouvez faire une deuxième solution. Vu que là, moi, j'ai pas pu faire la première. C'est ici même, les amis. Du coup, voilà, j'ai laissé deux petits panneaux pour dire actuellement pas là et je suis là demain. Donc voilà, ils sont au courant. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Et demain, eh bien, je ferai des interactions avec eux si je les croise, si j'ai des nouvelles d'eux, etc. Donc voilà, les amis, tout simplement. J'ai laissé également, vous avez vu, j'ai laissé quelques petits morceaux de bois, de bâtons, de planches, comme ça ils ont ce qu'il faut. Et regardez, même honnêtement, regardez, je peux même faire ça, vous voyez, comme ça au moins ils ont tout pour faire un petit panneau. À la limite même, ce que je peux faire les amis, regardez ce que je peux faire. Regardez, c'est une petite astuce, comment, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais voilà, vous faites ça. Vous faites ceci. Regardez. Voilà, c'est des astuces. Servez de ce que vous avez dans le jeu, déjà c'est pas mal, honnêtement. Moi, j'ai connu des jeux en accès anticipé, les gars, on n'avait pas tout ça. Voilà, vous laissez un petit message, et comme ça, ils ont un petit message comme quoi vous êtes là. Là, déjà, je vais aller boire un petit coup, et ça me donne aussi une occasion d'observer ce qui se passe aux alentours. On ne sait jamais. Le mec, il tombe comme ça sur moi, il dit qu'il est passé par là et qu'il m'a jamais vu. C'est bizarre, quand même. Peut-être que, bon, il a peut-être vraiment jamais vu, hein. Ça peut arriver, les gars. Même moi, vous avez vu, je suis passé à côté de ma base, et pourtant, j'ai pas vu ma base. Hein. Vous savez, quand vous avez des migraines, ça peut arriver. Hein. Malheureusement pour lui, sa moto a fini dans un arbre. Bon, j'espère que c'est vraiment vrai. Mais vous voyez, je suis là depuis un petit moment, les gars. Je suis venu après la tempête. Hein. Je vous rappelle qu'après la tempête, quand on s'est parti en sucette, on est resté quoi chez les deux roues pas très longtemps. Parce qu'après, on est parti. Et ça fait déjà des journées et des journées qu'on est parti, les gars. Donc, c'est vraiment après la tempête qu'on est arrivé. On est arrivé avant eux. Hein. Je vous rappelle, si vous regardez bien dans un épisode, que eux, ils sont arrivés bien après nous. Et ils étaient en construction. Donc, c'était eux. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit à Nicolas, c'est peut-être la pêcherie ici, parce que j'ai vu un lac et je me suis dit bon, la pêche. Et on avait reçu un message dans le général, mais on a pas eu l'information où ils se trouvaient. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas l'information, qu'on les a pas croisés, on ne sait pas où se trouve la pêcherie. Mais si ça se trouve, la pêcherie c'est là-bas. Hein. Mais du coup, bon, on sait que c'est le cartel qui est installé vers là-bas déjà, et maintenant on sait que c'est eux qui détiennent le territoire. Donc voilà, donc après on n'a pas plus d'informations. Par contre, il y a une voiture qui est passée entre temps. J'ai quand même vérifié les gars, j'ai vérifié en haut. Vous voyez, je suis toujours méfiant quand je me déconnecte ou quoi que ce soit, que je sois en stream ou durant mes moments off, on va dire. Eh bien, je vérifie, même si on s'est tous un peu buggé hein, sur le jeu. C'est que des fois, même quand vous êtes pris, vous voyez pas la personne. Lui, par exemple, il était juste à côté. Hein, c'est lui qui a pété la branche. C'était sûr, c'était pas moi. Je m'en doutais qu'il y avait quelque chose. Et après, vous avez vu, il y a une voiture qui est passée, donc du coup, je sais pas trop ce qui se passe. Voilà, je regarde bien quand même aux alentours. Là, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais faire ça. Je regarde quand même un petit coup au-dessus. On sait jamais, peut-être que c'est le cartel qui est peut-être passé pour vérifier. Ils ont vu que peut-être que j'étais avec une personne. Du coup, ils sont méfiants. Ils vont peut-être revenir plus tard à plusieurs. Ça peut arriver, les amis. Ça fait partie du RP, les gars. N'oubliez pas, c'est pas parce que c'est un cartel que forcément, il va venir tout seul. Honnêtement, je suis un membre du cartel. J'ai dit que je suis un membre du cartel, je viens pas tout seul, les gars. Hein. La prochaine fois, je viens à plusieurs. Déjà, les gars, honnêtement, elle a eu les coronets de venir tout seul. Après, peut-être qu'elle n'était pas toute seule. Hein. Peut-être qu'il y avait quelqu'un derrière. Hein. Je ne sais pas. Hein. Peut-être que même les personnes là qui étaient en quad, c'est peut-être des membres du groupe. Hein. Peut-être qu'ils avaient une code de ligne à respecter pour ce genre de situation. Je ne sais pas. Hein. N'oubliez pas, les amis, je suis parano en RP. Donc,
Je prends tout en compte de tout ce qui se passe et je suis très méfiant. Voilà. Et notamment, comme je vous ai dit, j'aurais pu mettre un message en général, mais je vous rappelle que je suis actuellement recherché par certaines personnes et je vais pas m'amuser à dire coucou, je suis là les amis, je me trouve ici même, vous pouvez passer, il y a pas de problème. J'ai pas besoin de faire ça les gars, vous êtes malades, franchement c'est un jeu de survie les gars. Je suis parano, j'échappe à la mort, j'ai connu des personnes qui sont mortes en RP. Je vais pas m'amuser à faire le fada les gars, vous êtes fous quoi. Je tiens ma vie moi. Oh. Si j'ai envie de crever, non honnêtement j'ai pas envie de crever les gars. Donc du coup les amis voilà, sur ce je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas, très important les amis, de lâcher un maximum. Attendez, allez. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus les amis, également de commenter pour ce que vous en pensez. Vous n'hésitez pas déjà fait de rejoindre le Discord les amis, le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez également le lien du Discord du serveur les amis, n'oubliez pas maintenant, c'est sous blacklist, donc il faut faire une candidature. Et également de lire, très important, les règlements du serveur, c'est très très important. Et faites bien la différence si vous ne savez pas faire la différence entre le RP et le HRP. N'hésitez pas d'aller voir les admins, d'avoir un petit peu leur point de vue, ou de parler à des gens qui connaissent un petit peu le RP, mais voilà, faites très attention, ne faites pas du HRP les gars, c'est pas très cool. Et surtout ça peut faire des histoires, et honnêtement on n'a pas envie de ça. Et sur ce les amis, n'oubliez pas, très important de voter pour le serveur, c'est très important, ça met le serveur en avant, et du coup on a plus de monde. Et plus d'interactions. What the fuck man. Ah bonjour. Ah j'allais partir. Ah bah c'est parfait. Bonjour. Bonjour bonjour. Oui alors du coup pour la taxe. Oui y'a pas de soucis. On la fixe pour les non commerçants à 200. 200 ? Ouais. D'accord. Il faut que je vous paye tout de suite ? Attendez. Allez-y. Oui. Oui ? D'accord, y'a pas de soucis. Bah venez. Hein. Je vais vous montrer comme quoi hein, je suis pas un commerçant quand même. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais à côté de la ville, y a des gens qui traînent en quad. Je sais pas si vous les connaissez, mais ils sont souvent là-bas. Oui. D'accord. Enfin, j'ai vu qu'un quad, hein. Je dis ça, je dis rien quand même. Ça se trouve, c'est pas eux. Je préfère vous le dire. Et il y a un survivant qui est passé juste auparavant. Pareil, je ne connais pas du tout par contre. C'est pas eux, comment ça? Vous voulez me dire quoi? Bah, en fait, il y a une personne, un survivant qui est passé comme ça. Puis il m'a dit qu'il m'a jamais vu ici. C'est bizarre parce que pourtant, je suis quand même depuis un petit moment quand même. Et il est passé, il m'a dit oh, j'essaie un peu de me renseigner vers ici. Donc je préfère vous le dire quand même, on sait jamais. D'accord. Parce que si on paye une taxe, si on est un peu... En... Ouais, on est protégé. Protégé, oui, parce que du coup, vous faites partie du territoire et en soi, à partir du moment où vous faites partie de notre territoire, vu qu'on protège le cartel, vous êtes protégé. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bon à savoir, c'est pour ça que je préfère demander quand même. Parce que bon, je suis un peu méfiant. Hein. Hop, donc vous m'avez dit 200. Et du coup, je paye chaque mois, c'est ça? Non, seulement une fois. Seulement une fois? Ah oui, d'accord, ok. C'est ça, le but, c'est pas de vous rendre pauvre, de vous faire payer des impôts ou quoi, c'est simplement... Et pourquoi tu parles? Pardon. Ouais, y'a pas de soucis. Oui, c'est un geste. D'accord, ok. Attendez, je vous le mets, je sais pas si vous l'avez pris. Je vous le mets sur la table. Bah, merci beaucoup. Ah mais y'a pas de soucis. Attendez juste deux secondes. Oui allez-y, y'a pas de soucis. Alors il va juste me falloir votre nom et votre prénom de... Oui bien sûr. Alors moi je m'appelle Guillaume Glingo. Et par contre, mon ami, bon, je le connais depuis peu, hein, donc il s'appelle Nicolas, mais par contre, j'ai pas son nom de famille. Oh, voilà, je peux pas vous mentir là-dessus. D'accord. Il est un petit peu méfiant par rapport à ce qui s'est passé avec les sans-visages, les Dalton, il est un petit peu méfiant, quoi. Avec les sans-visages. Ah, je sais pas si vous connaissez les sans-visages. Avec les sans-visages et les Dalton. Oui, oui, je les connais, les sans-visages, oui. D'accord. Et les Dalton aussi, je sais pas si vous connaissez.
elle donne un peu moins, c'est pas trop informé sur eux. D'accord, parce qu'au fait, au début, nous, on était, après la grosse tempête, on était sur le territoire sûrement des sans-visages, parce qu'ils ont laissé un panneau. Et vu ce que j'ai eu dans le passé, parce que je connaissais quelqu'un qui se sont fait tuer sûrement par eux, d'après ce que je sais, donc je fais attention, quoi. Ouais, donc voilà, il est un petit peu méfiant, c'est pour ça qu'il donne pas son nom pour l'instant. D'accord, bah ouais, y'a pas de soucis, c'est juste pour les papiers, quoi. Pas de soucis, ça marche. Super. Bon, bah du coup... dans tous les cas, on passera à faire des tours de garde un peu dans toutes les personnes qui ont des bases. Donc si vous voyez quelqu'un avec la même tenue que moi, bah, c'est totalement normal. D'accord, ok, y'a pas de soucis. Juste des tournées de surveillance, quoi, on sait jamais qu'il y ait des personnes qui espionnent, d'autres bâtissent dans les alentours. Ok, de toute façon je vous tiendrai au courant. Et puis si j'ouvre un commerce, je vous contacte, c'est ça? Ça va. C'est ça. Ok, y'a pas de soucis, ça marche. Bon, du coup je vais casser les panneaux. Très bien, bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.